Salut tout le monde, aujourd'hui c'est lundi le 8e de juillet de cette année 2024. Me revoici dans cette vidéo au sujet de toute la belle France concernant les traces d'une civilisation française du Vietnam. Aujourd'hui, je voudrais continuer à vous parler de l'origine allemande dans le français. Je voudrais continuer à vous parler de l'origine allemande qui fait partie de l'arbre généalogique des ancêtres dans le français, en plus de son origine française, de la France, de l'Europe, comme ce dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes paroles d'une description suivante. C'est un français d'origine française, de la France, de l'Europe, parlant français comme sa langue maternelle, un officiel du gouvernement français au Vietnam d'autrefois qui s'est marié à la nièce vietnamienne, de la sœur vietnamienne, de mon grand-papa vietnamien, celui que je peux toujours considérer un grand-papa français pour moi, en plus de mon grand-père vietnamien, le père de ma mère vietnamienne. Cet homme français est devenu membre familial dans notre famille vietnamienne selon l'intention de la divinité. Et je voudrais dire que, comme vous le savez, j'ai fait présenter une photo de LibreVox dans la section conçue pour un commentaire sur mes deux pages de Facebook concernant toute la belle France et les nouvelles quotidiennes. Comme vous le savez, ce pâté LibreVox est le pâté d'origine allemande qui est exactement semblable à un produit d'origine française, le pâté français. Et LibreVox est le seul équivalent du pâté français pour nous aux États-Unis, puisque le pâté français ne s'est pas mis au marché d'alimentation pour la charcuterie aux États-Unis ici. Disant cela, je voudrais dire que nous avons une forte croyance que même après la disparition naturelle, selon la loi de la nature, l'esprit de cet homme français a continué à vivre avec nous dans notre famille vietnamienne, ainsi qu'en France, dans sa patrie natale. C'est l'esprit de cet homme français qui nous a guidés vers la connaissance et la découverte de ce pâté LibreVox. Comme je vous ai déjà dit, parlant de cette matière, je voudrais dire que, comme vous le savez, la France et l'Allemagne sont les pays limitrophes, c'est-à-dire qu'ils ont une frontière commune, ce qui permet à leurs résidents d'éprouver une condition convenable pour émigrer. Cela peut expliquer bien l'origine allemande dans quelques Français ayant aussi l'origine française en eux. Je voudrais dire que en parlant de cette matière, encore faut-il dire que j'ai une forte croyance que l'esprit de cet homme français et l'esprit de la nièce vietnamienne, de la sœur vietnamienne, de mon grand-papa vietnamien, sa femme vietnamienne, les esprits de ces deux personnes ont continué à vivre avec nous dans notre famille vietnamienne, aux États-Unis et en France. Je voudrais dire que j'ai une forte croyance que mon succès dans le sentier linguistique concernant la langue française et puis la langue allemande, c'est dû à l'aide de l'esprit de cet homme français et de l'esprit de sa femme vietnamienne.